C'est aujourd'hui en gare de Dijon que je reçois pour la pause modéliste avec Yann Bod, rédacteur en chef de Loco Revue. On va passer un bon moment avec Yann, on va en apprendre un petit peu plus sur lui et ce qu'il pense du monde du modisme ferroviaire actuel. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, prenez plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, en gare de Dijon, comme je vous l'ai annoncé, je retrouve Yann Bod. Yann Bod, le rédacteur en chef de chez Loco Revue. Il doit arriver directement par ici, par l'escalier. Je le vois donc arriver. Et bonjour Yann. Salut. Bonjour Yann, comment ça va ? Bien, ça va bien. Eh ben, bienvenue dans LF Modélisme. Content de te retrouver. Eh ben, on est là pour la pause modéliste. Ça consiste à quoi ? C'est passer un moment, toi et moi, où est-ce qu'on va parler un petit peu de l'actualité, un petit peu de nos rêves d'enfants. Dans un environnement ferroviaire, donc tout va bien. Voilà, exactement. Donc un petit peu de l'actualité en ce moment du modélisme, mais pas que, pas des petites surprises également. Je te propose qu'on aille un petit peu marcher dans la gare et on fait un petit interview ensemble, tranquille ? Oui, avec plaisir. Allez, ouais. C'est parti. On y va. Bien Yann, un grand plaisir à toi, donc on est là sur le quai de la gare de Dijon. Tout d'abord une petite présentation de toi-même, pour ceux qui ne te connaissent pas, et voilà, donc pour montrer aux personnes la pose modéliste qui est Yann Bod. Eh bien écoute, tu m'as présenté, je suis Yann Bod, donc je suis rédacteur en chef de Loco Revue, qui est le principal magazine français, on dit magazine le plus ancien, donc fondé en 1937 par le grand-père de l'actuel directeur. Et moi, j'officie en tant que rédacteur en chef depuis une dizaine d'années, mais je travaille pour Loco Revue depuis quasiment 25 ans, puisque j'ai ajouté ça, une activité modéliste et écriture d'articles et de modélisme et de reportages à mon activité antérieure, avant que je sois embauché en tant que journaliste titulaire, donc dans l'équipe de rédaction de Loco Revue. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et oui, alors patience, je dirais, pour paraphraser, pour citer André Gay, à qui j'avais demandé, j'avais fait la même question, j'avais dit, mais dis donc André, pour faire un réseau comme ça, il faut beaucoup de patience. Il m'avait répondu, non, pas de la patience, de la persévérance. Et effectivement, moi je suis modéliste depuis tout gamin, donc... ce boulot-là, c'est comme imposé, en fait. Ça a été une passion de toujours. Et puis, j'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler. Quoique, ces derniers temps, en tant que rédacteur en chef, il y a quand même des échéances à respecter, un magazine à sortir tous les mois. Et donc, aussi, un souci du lecteur et pas ne pas travailler que simplement à ma passion. Bon, ça, c'était pour la présentation de Yann. Un grand merci. Donc, si vous découvrez Yann, c'est le rédacteur en chef du magazine tous les mois de chez Loco Revue, du groupe LR Press. Une petite chose importante, toi maintenant, ton regard actuel sur le monde du modisme ferroviaire. On voit que ça bouge. Il y a eu quand même un boom en avant technologique. Toi, comment tu situes le monde du ferroviaire en miniature actuellement ? Eh bien, depuis, on a une raréfaction quand même de notre lectorat, puisque on a tous eu, toi, tu es sans doute un peu plus jeune que moi, mais moi qui suis presque sexagénaire, j'ai eu, comme beaucoup, un train électrique au pied du sapin quand j'étais gamin. Donc, on était très nombreux à avoir ancré en nous, chevillé au corps, la passion pour le train miniature, le train en général et le train miniature. Et c'est quelque chose qui a tendance un peu à s'effilocher aujourd'hui. Donc, on a moins de pratiquants, mais des gens un peu plus âgés, un peu plus aisés. Donc, une hausse de la qualité des modèles réduits et des réalisations aussi. Donc cette hausse de la qualité est accompagnée par pas mal de fabricants, a été encouragée aussi par Loco Revue pendant des années, et aujourd'hui on a vraiment quelques fabricants qui se disputent le marché, mais on propose quasiment que du matériel de très haut de gamme. Donc c'est quelque chose qu'on peut déplorer, parce que ça contribue au fait que le modélisme, qui était déjà quelque chose de rare, s'adresse encore moins au grand public, quoi. Donc nous, à Loco Revue, on essaye d'aller à l'inverse de ça, en proposant vraiment une pratique qui soit beaucoup plus accessible, donc revenir à des choses plus fondamentales, revenir à un matériel, au plaisir de fabriquer, revenir au loisir créatif et au plaisir d'avoir du petit train chez soi sans trop se prendre la tête, quoi, sans être trop pointilleux sur les détails et la véracité historique. Mais justement, de ton point de vue, n'as-tu pas peur qu'il y ait justement une rupture générationnelle entre les nouveaux pratiquants dans le monde du train miniature et justement ces personnes que tu dis qui sont plutôt d'un âge vieillissant et
dû à la hausse des tarifs, des matériels, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir une fracture quand même. Tout à fait, c'est exactement ce que je disais, et c'est contre ça qu'à mon avis, il faut se battre, se battre avec nos modestes moyens et d'une manière pas belliqueuse, hein, mais il faut essayer de réfléchir à ça, essayer de... Le train tel qu'il est aujourd'hui, même s'il n'y a pas beaucoup de trains sur les rails, exerce vraiment encore une passion, y compris chez des jeunes. Hein. On a des opérateurs privés qui font rouler beaucoup de matériel avec des couleurs très attrayantes, un matériel vraiment sympathique à reproduire en miniature. Donc nous, on doit accompagner ça aussi si on veut que les jeunes continuent à pratiquer, et à avoir plaisir à faire du modélisme, à avoir un train miniature chez eux. Oui, c'est vrai, tout à fait. On en parle assez souvent. Et j'ai souvent cette réflexion sur ma chaîne des personnes qui disent « Oui, mais on a du mal ». La hausse des tarifs chez les fabricants, on a du mal. Bon, même s'il y a des entrées de gamme, même si des marques qui font des efforts pour des entrées de gamme et aussi sur des coffrets de départ, on rappelle quand même que le coffret de départ reste l'élément idéal pour débuter. Oui, tout à fait. On a heureusement quelques initiatives comme Jouef qui a lancé une gamme Jouef Loisirs avec un autorail EAD relativement raisonnable, un prix relativement raisonnable, quoique ça représente quand même quasiment 200 euros. Il y a eu pas mal de critiques quand même dessus. Ouais, des critiques, mais à mon avis, pas toujours justifiées parce qu'il y a eu des petites erreurs d'interprétation au niveau des portes et tout ça, mais le fonctionnement est quand même parfait. Et on a un modèle qui fonctionne bien, les volumes sont justes, les couleurs sont justes, les versions sont justes, donc moi je boude pas mon plaisir. De la même manière, on a eu une 72 000 aussi Jouef Loisirs à moins de 150 euros, qui est à mon avis irréprochable d'un point de vue fonctionnement. Bien Yann, on se retrouve ici à l'extérieur de la gare à présent, on aime bien bouger un petit peu et puis on continue de parler justement idéalement dans ce monde ferroviaire qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est difficile pour les jeunes, on disait le coffret de démarrage reste l'élément idéal. Et oui, alors il est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Pico, par exemple, on a des coffrets de démarrage comprenant une machine, deux voitures, un ovale de voie. Alors bien souvent, il n'y a pas d'aiguillage, donc c'est un peu emmerdant parce que, pour faire en termes de possibilités d'exploitation, donc de jeu, c'est un peu limité. Il faut ajouter des choses, mais souvent, c'est une offre vraiment très intéressante d'un point de vue prix. Ouais, c'est sûr. Alors, on a vu un petit peu ce sujet-là. Je prends ma petite feuille. Tiens, une question qui est assez intéressante. Pour toi, Yann, quelle serait la panoplie de nos jours, en 2023, du bon modéliste? C'est une question assez pertinente. Oui, alors, tu parles bien de modélisme. Donc, on n'est pas dans l'accumulation de matériel. On a déjà le modélisme. Ça on veut parle dire vraiment. Bricolage, déjà. Exactement. Donc, ça veut dire un petit peu des interventions, peut-être, sur le matériel. Un peu l'envie peut-être de mettre ce matériel en scène dans un décor. Donc déjà, pour travailler sur le matériel, il faut un minimum, à mon avis, il faut des petits pinceaux pour repeindre certains petits détails, il faut une paire de tournevis, des limes fines, pas forcément une mini perceuse pour commencer. On peut utiliser un foret à main avec quelques petits forets pour percer des trous, si nécessaire, pour remettre des petits accessoires. Il faut une pince à épiler pour manipuler des petits accessoires finement. Tout dépend de l'échelle aussi. un tube de colle genre super glue ou autre pour coller certains détails, même si c'est à manier avec précaution. Moi, j'utilise beaucoup de la colle à bois qui permet d'être réversible. Et si on fait une petite erreur ou une bavure de colle, on peut nettoyer ça à l'eau sans problème. C'est vrai. C'est le matériel essentiel pour pouvoir travailler bien, sereinement. Donc, la panoplie pour le modéliste, pour faire ses maquettes, pour faire toutes les constructions. Toi, Yann, ton expérience en miniature? Alors, mon expérience, elle a commencé très tôt. Je ne sais pas si j'ai pas 3 ou 4 ans quand j'ai commencé à poser des rails sur le plancher et puis à mettre, jouer avec les petites voitures sans me soucier des échelles. Très vite, j'ai demandé à mon père de m'acheter une planche de 1 mètre par 1 mètre 40. Enfin, de m'acheter une planche, je ne lui avais pas demandé les cotes, mais il m'a acheté une planche, je m'en souviens très bien, elle mesurait 1 mètre par 1 mètre 40. Et là-dessus, quand j'étais gamin, j'ai réussi à poser une double voie, à mettre une gare, et je me souviens même que j'avais mis les maquettes Jouef. Ça, j'étais un peu plus vieux, je devais avoir 7 ou 8 ans, en fonction de leur disposition sur la carte de France. C'est-à-dire que j'avais mis la chapelle savoyarde en bas à droite, j'avais mis les maisons du Nord en haut à droite, j'avais mis une petite bâtisse bretonne complètement à gauche, là où il y avait soi-disant l'Ouest. C'est un petit peu l'insouciance quand on débute, plaisir. D'ailleurs, je vois souvent que tu poses des rails au sol sur tes réseaux sociaux. D'ailleurs, tu peux rappeler tes réseaux sociaux peut-être. Alors oui, tout à fait. Je vous suggère, si vous avez envie d'en savoir plus aussi, de regardez aussi mon compte en même temps que le compte de Loïc, le compte Yann Baud et ses trains, où je montre un petit peu ce que je fais. Alors aussi bien en termes de modélisme, en prise avec mon époque, c'est-à-dire la volonté de faire quelque chose de réaliste, que j'appelle réaginaire en fait, c'est-à-dire que c'est un univers imaginaire mais réaliste. Ouais, c'est vrai. Imaginaire, même si on n'est pas très loin de la réalité, mais c'est un univers plausible.
Et puis, j'ai redécouvert récemment un vrai plaisir de gamin, c'est-à-dire que j'ai racheté des rails à assembler de manière très rapide. C'est des Trix, non ? Ouais, c'est ça, c'est la voie Trix C, qui est vraiment impeccable. Tu parlais de coffret de départ, j'ai acheté un coffret de départ de voie qui m'a permis de faire un ovale tout simple avec deux aiguilles. Et puis, j'ai eu une sorte d'addiction à ça, puisque j'ai racheté beaucoup de rails depuis, et je construis des réseaux sur le plancher en un après-midi, quoi, que je démonte le soir avant que mon épouse rentre. C'est génial. J'ai vraiment retrouvé un grand plaisir d'enfant qui est aussi bien de faire rouler les trains de mon enfance des années 60 que les trains d'aujourd'hui qui roulent sans problème dessus aussi. Donc vraiment, c'est un grand, grand bonheur, et je suggère à tous tes auditeurs et tous tes spectateurs de ta chaîne d'essayer ça, quoi, pour retrouver cette âme d'enfant. Ouais, c'est ça, cette âme d'enfant, avant de passer éventuellement à une pratique un peu plus aboutie du modélisme, avec en mettant un peu plus de moyens et en décidant de manière un peu plus fondée la construction d'un réseau, d'un vrai réseau fixe. Alors ça, justement, c'est intéressant ce que tu dis, on y reviendra plus tard dans une autre question, mais tu n'es pas venu les mains vides, et je propose, après le jingle, que Yann nous présente un petit coup de cœur à lui, une petite locomotive. Tu es venu avec un petit matériel avant le jingle, ouais, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ? Tu vas le découvrir, c'est une des dernières productions de la marque REE, qui produit du haut de gamme en France, en plastique injecté, en relativement grande série, mais qui fait des modèles assez exceptionnels. Allez, on se retrouve de suite après le jingle. Et bien voilà le modèle dont je te parlais, qui est une BB16000 REE. Voilà. Et je vais ouvrir la boîte, alors ça va prendre un peu de temps peut-être. C'est pas grave, je pense que la communauté LF Modisme a tout son temps pour regarder un matériel. C'est une machine auquel je tenais particulièrement, parce que quand j'étais gamin, j'ai eu la machine Hornby à chaud, qui était déjà, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et en plus, elle évoque en fait des souvenirs d'enfance, puisque mon grand-père venait me chercher à la gare de Paris-Nord pour m'emmener à Calais, là où mes grands-parents habitaient. Et moi, je contemplais les BB16000 à la gare du Nord. C'est et magnifique, vraiment, c'était une machine que j'adorais. Et quand REE donc a sorti ce modèle, moi j'ai craqué. Voilà donc la machine qui est vraiment super. Ouais, c'est vrai que les couleurs sont vraiment bien bien respectées. Ouais, et puis un soin du détail extraordinaire. Ouais. Elle fonctionne à merveille. Enfin, c'est à mon avis ce qui se fait de... Je ne vois pas bien comment on pourrait faire mieux aujourd'hui, même dans les 10 ans à venir. On se posait la question, qu'est-ce que les fabricants pourraient encore améliorer sur ce type. Alors, justement, jusqu'où est-ce qu'ils ont poussé le détail sur cette loco? On peut regarder par exemple les bogies qui sont d'une finesse. Toutes les pièces, les timoneries de frein sont reproduites. On a vraiment des organes correspondant exactement à cette version, qui est une version d'origine. Donc, après, on peut rentrer dans les détails, mais avec les baies qui sont des baies panoramiques, avec, bien sûr, la ligne de toiture qui est parfaitement représentée. Et puis, c'est pas seulement un modèle statique fait pour la vitrine, ça fonctionne très, très bien. Y compris sur la voie Trix dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, comme j'ai pas de grand réseau avec des grandes courbes et de la caténaire, j'ai plaisir à faire rouler ça avec une rame de 10 voitures derrière sur un anneau. C'est la particularité de la voie Trix, qui, on rappelle, c'est Marklin, également, la voie C, sauf qu'il n'a pas les petits pics au milieu pour le troisième rail, mais c'est vraiment solide, c'est facile à clipser, et puis ça permet dans les petites courbes de faire passer des machines qui ne passeraient pas avec d'autres voies aussi. C'est ça, on a le choix, Trix propose, enfin Marklin aussi, dans sa gamme, des rayons de courbe déjà les plus serrés de 360 mm de rayon, donc on peut faire des réseaux vraiment sur un coin de table, exactement. Sur une table. Et l'inconvénient, c'est que tout le matériel, les machines à vapeur, ne fonctionnent pas forcément bien dessus. Jusqu'à des courbes très grandes, de rayons R5 ou même R9, qui font des rayons de 1 mètre pile quasiment. 1 mètre exactement. Et qui permettent donc de faire rouler des grands trains avec des voitures et des trains de 10 voitures. Ah ouais. On peut la ressortir juste une seconde et la montrer bien en face de la caméra avant de passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà, donc la BB16005 de REE, qui est une machine attachée au dépôt de Strasbourg, celle-ci, mais qui a roulé largement sur le nord, sur Paris-Lille, Paris-Amiens. Elle est vraiment magnifique, hein. C'est vrai que au niveau du détaillage, mais au niveau des pantos, c'est vraiment bien réalisé. C'est le prix de la qualité, hein. C'est pas donné, il y a un tel savoir-faire, un tel niveau de détail, de telles compétences nécessaires pour produire ce modèle réduit, qu'effectivement c'est un modèle qui n'est pas donné, hein, qui est à plus de 250€ la version de base. La version de base. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, quand on aime. Oui, voilà, effectivement. Donc justement, ça permet de rebondir sur la prochaine question. Je te laisse soigneusement
remballer donc justement cette superbe locomotive donc de chez RE. Donc elle est sortie dernièrement, c'est ça? Oui, elle est sortie il y a 3 semaines et elle est en test dans le numéro de Locorevue qui sort vers le 26 mars. D'accord. Test détaillé avec une petite vidéo en ligne sur la chaîne YouTube de LR Press. D'accord, d'accord. Alors justement, je voulais rebondir, on en parlait, des tarifs, etc. Penses-tu aujourd'hui, en 2023, que les tarifs sont justifiés, justifiables pour le matériel que l'on se procure? Oui, alors, j'entends souvent dire le modélisme ferroviaire, c'est trop cher, etc. Oui, c'est vrai que c'est très, très difficilement accessible, mais quand on voit le niveau de qualité, c'est un truc auquel il faut penser, c'est que, par exemple, une boîte comme REE qui propose des engins sonores, envoie quelqu'un qui va aller enregistrer le son d'un engin réel, le traiter à l'ordinateur pour lui le faire rentrer sur les décodeurs, donc il y a un traitement de l'ajout de réverbération, l'enregistrement des annonces, etc. Et ça, mine de rien, c'est plusieurs jours de boulot, il faut bien le payer quelque part. Quoi. Ouais. Donc on a voulu depuis une dizaine d'années, voire même plus, une amélioration des qualités techniques des modèles, de la fidélité, et ça se paye. Alors aujourd'hui, on a des modèles chers, mais qui sont très très évolués techniquement. Moi, ouais. ce que je peux déplorer, excuse-moi, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on a des modèles chers et malheureusement, on a très peu d'autres propositions. Alors, moi, où est-ce que je trouve que peut-être c'est un peu moins justifiable, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est autant pour une locomotive, je trouve que c'est justifiable et justifié par rapport aux soins et au détaillage, comme tu le comptes très bien, mais autant, par exemple, quand je vois des marques comme, on va citer S-Model, ouais, qui font des super wagons, mais il y a trop de détaillage en dessous du wagon. Oui, et comme j'ai entendu plusieurs fois, on les voit pas, on roule pas sur des miroirs, quoi, les wagons, oui, comme disait un abonné de ma chaîne, et c'est la stricte vérité. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début de cet entretien, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse continuelle depuis moi que je m'intéresse au modélisme ferroviaire depuis 30 ou 40 ans, une hausse continuelle de la qualité des modèles, de la précision. On en est même justement à reproduire l'aménagement intérieur ultra conformément. Alors, ça fait des super belles pièces de vitrine qui contentent certains, une frange du modélisme, une frange des amateurs français et étrangers, puisqu'on a le même phénomène quasiment dans d'autres pays. Mais malheureusement, on n'a plus que cette offre-là, ouais, en France. Donc oui, on est content de ça. Certains sont contents de pouvoir acquérir des modèles extrêmement détaillés et sont prêts à mettre le prix pour ça. Malheureusement, ceux qui voudraient pratiquer le modélisme d'une façon moins rigoureuse n'ont pas beaucoup d'offres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour rebondir maintenant sur le matériel roulant, les tarifs, etc., une chose qui est de plus en plus magnifique, c'est le niveau de qualité. Quand on voit là dernièrement, quand on s'est croisé à Meursault, la qualité des réseaux explosés. Oui, oui. Alors, y a-t-il la place encore pour du modélisme d'amateur dans tout ça? À titre en tant que passionné, je pense qu'il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle on est. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que des marques comme LS Model ou REE ou les réseaux qu'on a pu voir à Meursault représente à mon sens une partie immergée de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire que ça représente vraiment le top en manière de savoir-faire, en matière de reproduction de la réalité. Mais il faut se méfier et pas considérer que ça représente ce que peuvent faire ou ce qu'ont envie de faire la majorité des amateurs. Ouais. Je crois que beaucoup de gens ont envie de faire du train, de se faire plaisir, sans pour autant acquérir des compétences dingues, sans pour autant recourir à l'impression 3D, sans pour autant avoir un aérographe et un compresseur chez eux. Donc il faut penser à tous ces gens-là aussi. Ouais, il faut penser à tous ces gens-là parce que moi j'ai beaucoup de retours. Tu sais, ma chaîne c'est une chaîne assez familiale où est-ce que j'ai des personnes qui me contactent et qui parfois je présente des personnes qui ont des réseaux autant d'exception, qui autant que des personnes qui font des réseaux bien beaucoup sûr, plus modestes. C'est ce qui fait l'essence même de cette discipline également. Je dis assez souvent, c'est pour tous les niveaux, qu'on soit débutant, intermédiaire et confirmé sur la chaîne, on doit se faire plaisir avant tout. Comme tu disais, tu prends plaisir à poser un petit ovale. C'est ça. Ça a été vraiment. Et je suggère à tout le monde de faire ça, quoi. Il y a vraiment une magie qui opère, quoi, quand on voit passer un train, même sur une voie déjà ballastée, même sur une voie sortie d'un décor sur un plancher, le plaisir du train, la magie du train qui file sur les rails opère, quoi. Et justement, pour revenir sur le grand salon où est-ce qu'on s'était croisé à Meursault, est-ce que tu trouves que ces dernières années, hormis la post-Covid qu'on a tous subi, est-ce que tu trouves que le niveau s'est élevé? Ah oui, c'est moi je suis proprement stupéfait parce que je peux découvrir chaque mois dans les propositions de reportages que je peux recevoir ou bien l'attention que je porte aux pratiquants sur les forums ou même sur Instagram. Il y a une pratique aujourd'hui qui est
enfin, il y a un panel de modélistes de très très grands talents qui sévissent. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, là, c'est une petite question pour savoir Yann Bod un petit peu plus. C'est des petites questions. Yann est-il plus? Tu me réponds juste l'un ou l'autre, simplement. C'est un petit questionnaire comme ça, rapide. Alors, Yann, es-tu plus diesel ou vapeur? Vapeur, sans hésitation. Sans hésitation. Thé ou café? Café. Ram fret ou voyageur? Fret. Star Wars ou Avengers? Je connais ni l'un ni l'autre, c'est pas ma génération. Ok, ok, ok. Oh, Star Wars aussi. Ben non, Star Wars, oui, c'est... oui, ça pourrait être ma génération, mais je suis passé bon, à côté. Ni l'un ni l'autre. Alors. Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, diorama ou réseau complet? Les deux, c'est deux pratiques qui se complètent bien, hein, je trouve. On fait pas les mêmes choses et on apprend beaucoup à faire des dioramas et on apprend des techniques qui peuvent servir sur un réseau complet par la suite. Alors là, c'est pareil, c'est on aime ou on aime pas. Foot ou rugby? Je serais plutôt rugby quand même. Ah, d'accord, ok. Alors, ça, c'est, on reviendra aussi sur cette question. Magazine ou magazine sur Internet, c'est-à-dire information? Pareil, les deux, on ne fait pas les mêmes choses. Il y a une, si tu devais choisir. Ah, si je devais le côté papier choisir, ou le côté numérique? Moi, j'aime bien le papier encore, mais je suis déjà un vieux modéliste, hein, donc c'est normal. Et puis tu es rédacteur en chef d'un magazine aussi en même temps. Pas. Alors, ça, c'est un petit peu gourmand. Pizza ou pot-au-feu? Ah, pot-au-feu. Alors ça, c'est un peu plus... pot-au-feu pour le goût et ouais, pizza pour, pour l'envie spontanée. Ouais. Alors, Ram TGV ou Orient Express? Orient Express. Ah, excellent choix. Film ou série? Quand série. 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 D'accord. Ouais, et je suis fan de série. Ouais. Et ça, je m'en doute un petit peu. Échelle N ou échelle HO? Tu me poses que des questions auxquelles j'ai envie de répondre les deux. Oui, mais... Non, HO, HO. Ah oui, HO, même si je trouve que le N a beaucoup, beaucoup de qualité. Bon, ben merci d'avoir répondu à ce petit mini questionnaire. Mais c'était c'est plutôt sympathique. C'est un plaisir. Yann, le futur de Yann Bod, justement, les projets à court terme et à long terme pour toi, ça serait quoi actuellement? Eh bien là, je commence déjà à préparer le numéro de mai qu'on va boucler début avril. Et sinon, bah, ça c'est mon, pour la partie professionnelle, mais qui est quand même très liée à ma passion. Mais sinon, d'un point de vue passion, bah, je retravaille à nouveau sur mon grand réseau Beaumont, donc on peut voir sur ma page Instagram, par exemple. Est-ce qu'on aura loisir de montrer à la sans communauté doute un jour? Un jour ouais, sans doute un jour, ça, mais super. Je suis comment dire, un peu timide par rapport à ça. C'est-à-dire que je vois, justement, ça rejoint aussi ce que tu disais tout oui, à l'heure, il y a tellement de gens de grands, grands talents que j'ai un peu des scrupules à montrer ce que je fais maintenant. Je suis actuellement en train de poster le fil rouge sur mon réseau que je monte à l'échelle chez moi, tranquillement, et je le dis assez souvent. Je suis un éternel débutant. Le principal, c'est aussi, je me fais plaisir. Le rendu, oui, c'est de faire tourner mes petits trains, mes petits modèles. Et puis voilà. Et donc, toi, si tu aurais un conseil à une personne qui souhaiterait justement commencer, qui ne connaît pas le monde du train miniature, quel serait-il pour toi? C'est viens vraiment prendre conscience que c'est un loisir extrêmement ouvert sur un tas de disciplines. Sur le travail manuel, bien sûr, sur l'histoire du train, sur le décor, sur la peinture, sur les patines, sur c'est vraiment un loisir créatif extrêmement large. Ouais, c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, c'est très large, c'est très vaste, mais la documentation aussi, je pense. Oui, 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 savoir aussi s'en affranchir, c'est-à-dire se faire plaisir à créer son propre imaginaire, ne pas être inhibé aussi par l'injonction qui peut être faite par certains de reproduire strictement la réalité. Ça, c'est une des manières de pratiquer, mais il y a plein d'autres façons de faire. Beaucoup de personnes se bloquent par rapport à c'est ça aussi. Hein. Oui, oui, mais alors que il ne faut pas hésiter, si on a envie de construire son monde miniature, et ben, le train électrique, avec un train dedans qui traverse et qui dessert un port imaginaire en partant d'une petite ville imaginaire, bah allez-y quoi. C'est ce que je suis en train de faire avec ma gare et mon réseau de Francolons. Alors là, j'ai quelques abonnés de ma chaîne qui t'ont posé quelques questions. C'est Michel, donc que je salue donc de la chaîne. Bonjour Michel. Quelle est la bonne échelle pour débuter? C'est des questions de alors, personnes. Oui, oui, oui. Bien entendu, le HO s'impose parce que c'est là où on trouve la plus grande offre aujourd'hui, hein, sur, aussi bien en marché d'occasion qu'en neuf, avec des prix, des tentatives de certains fabricants de proposer des gammes accessibles. Mais je dirais que le N est quand même une très, très bonne chose aussi parce que la surface est bien moindre. Le niveau de détail aussi, moins important. Alors, paradoxalement, c'est plus petit, ça pourrait faire peur. Mais justement, comme c'est plus petit, il y a des détails qu'on ne va pas reproduire, qu'on va figurer simplement. C'est et c'est vrai que c'est plus facile. Reproduire une forêt en N, c'est beaucoup moins difficile qu'une forêt en HO. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on peut faire sur une petite surface, comme tu le dis, circuler une belle rame fret, par exemple. Tout à fait. Ou une belle rame corail avec 5-6 voitures qu'on ne pourrait pas peut-être à l'échelle HO. Et alors qu'en HO, on va commencer à s'attacher aux détails de la voie, on va être exigeant. Et c'est très difficile d'aller
de bien détailler le matériel à chaud. Disons que si on choisit l'échelle à chaud et qu'on a très peu de place, vaut mieux s'orienter vers un diorama peut-être. Ah oui, éventuellement. Des petits dioramas, oui, des choses comme ça. Mais moi j'aime bien le train qui bouge quand même. Pour moi le diorama c'est un bon exercice, c'est un bon champ d'expérimentation, mais on a très vite envie de voir un train qui passe quand même. Ça c'était donc la question de Michel. Bruno te pose la question, combien de temps pour faire un loco revue? C'est-à-dire à partir du moment, on sait qu'il sort tous les mois, mais on se doute bien que ce n'est pas le travail d'un mois, c'est un travail en amont. Alors oui, moi je travaille actuellement sur les numéros de septembre et octobre, par exemple, et on est mi-mars. Donc oui, il y a l'essentiel des numéros qui se remplit plusieurs mois à l'avance, mais je dirais que la partie actualité, qui est très branchée sur l'actualité, se traite une semaine avant le bouclage. C'est-à-dire que pendant une semaine avant la date du bouclage, qui est le départ des fichiers à l'imprimerie, on se donne encore le droit de modifier, d'intégrer des modèles qui viennent de sortir chez les détaillants ou choses comme ça. Ah oui. Mais sinon, je suis dans le dur de la fabrication d'un numéro un mois avant sa sortie. Combien de personnes pour relire généralement? Alors, on a trois niveaux de relecture. Malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. On laisse passer des coquilles et j'en suis désolé auprès des lecteurs. Mais voilà, on a trois niveaux de lecture quand même. De relecture, d'accord. Orthographique et autres. Du coup, qu'on est en train de parler sur cette question-là, le temps pour faire un épisode donc, de Loco Revue, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ne connaissent pas Loco Revue de venir vers ce magazine? Qu'est-ce qui pourrait leur apporter? Alors, Loco Revue va vous donner un panorama très large sur la pratique du modélisme ferroviaire. Chaque mois, en vous montrant ce qui sort chez les détaillants, on a une rubrique nouveauté qui est très fournie, en vous montrant des réalisations d'amateurs et en vous montrant des tutos papier avec depuis relativement récemment des extensions en vidéo sur nos sites internet, donc avec des tutos vidéo puis c'est accéder aussi à une grande communauté d'amateurs qui auront le même genre de lecture, avec qui on pourra échanger tout et partager un peu ses compétences et ses connaissances. Là, le dernier numéro, enfin celui-ci qui est actuellement, le salon de Nuremberg, le salon du jouet en Allemagne, est vraiment très complet. Il y a vraiment des super modèles proposés. Tout à fait. On a chaque année, on a le rendez-vous de la grande foire de Nuremberg fin janvier. Donc là, elle a été virtuelle ces dernières années, mais elle a à nouveau eu lieu cette année, ce qui nous permet de dresser un tour d'horizon de toutes les nouveautés françaises. Mais on a ajouté cette année encore plus de nouveautés étrangères, de nouveautés à voie étroite, qui sont des petits trains bucolique. Un peu de petites voitures aussi, parce que les éléments du décor sont importants aussi en train miniature. Donc on a essayé d'intégrer tout ça au gros reportage sur Nuremberg. Moi je suis très satisfait, c'est de voir dernièrement dans les colonnes de Loco Revue, d'ailleurs tu l'as mis en page, c'est Thomas Lair. Oui, Thomas Lair, j'ai fait son reportage il y a maintenant 2 ans, que j'ai fait connaître un petit peu ses réalisations. Ça a monté bien un petit peu que je salue bien Thomas en tout cas, et il fait des aménagements exceptionnels. Ah oui, alors moi je suis ravi parce que c'est quelqu'un que j'ai repéré sur Instagram, que j'ai vraiment été très séduit par ce qu'il faisait, et en plus j'avais pas beaucoup d'auteurs dans mon panel d'auteurs habituels qui travaillent sur le matériel récent ou actuel. Et donc j'ai proposé ça à Thomas parce que j'ai vu qu'il avait quand même certains talents en photo en plus de ses talents de modéliste. Oui, oui. Et il a répondu positivement. Et moi je me réjouis d'avoir publié son premier article et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Moi je suis très, très satisfait. Pourquoi? Parce que les premiers reportages que j'ai fait avec lui, il commençait à faire des aménagements, à faire des modifications de couleurs, de livrées, etc. Et puis quand je vois ce qu'il fait maintenant, bravo à toi Thomas. Et puis on se reverra bien trop sur la chaîne, comme on a dit. Donc ça c'était pour la question de Loco Revue, etc. Thibaut nous pose la question, que penses-tu de l'information que l'on trouve sur internet concernant le modélisme ferroviaire? À boire et à manger, info, intox? Comme dans un peu c'est le problème dans beaucoup de sujets, y compris le train miniature, on a une débauche d'informations et de propositions, souvent des amateurs, parce que c'est un milieu énorme et il est quand même pas très très facile d'en vivre. Donc c'est souvent des amateurs, avec les avantages qui sont la spontanéité, l'expérimentation, mais aussi parfois des choses qui sont assénées, qui sont pas forcément vraiment viables, ou des techniques qui sont pas forcément bien expliquées. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer en gagnant en sérieux, aussi bien nous autres les magazines, avec les magazines frères de Loco Revue, qui sont Clés pour le train miniature ou Voie libre,
mais aussi bien sûr avec Loco Revue et les vidéos qu'on va mettre en ligne. On salue d'ailleurs Alexis Avril également de Clé pour le Train Miniature. Qui est rédacteur en chef de Clé pour le Train Miniature. Oui. Et puis ta chaîne YouTube qui va sans doute contribuer aussi à diffuser des informations fiables. Oui, c'est ce que je me force à faire. Donc oui, c'est vrai que l'information qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Oui. Mais je pense que les gens sont assez grands pour prendre la bonne information de nos jours. Oui, à condition d'avoir un regard critique et de ne pas tout gober, mais ça c'est vrai dans tous les sujets. Donc voilà, ça c'était pour la question des abonnés de ma chaîne. Merci à vous d'avoir envoyé ces quelques petites questions pour Yann. Je voudrais revenir un petit peu sur le boom, l'avancée technologique du monde du miniature. N'as-tu pas peur qu'il y ait trop de personnes en même temps, avec l'arrivée de l'impression 3D, etc., qui proposent trop d'éventail et que ça va boucher un petit peu le travail effectué de qualité, de ce qu'on va pouvoir retrouver sur des réseaux. Voilà. Alors, quel est ton ressenti ? Le fait est que beaucoup d'amateurs qui sont passés, se sont sentis pousser des ailes avec l'arrivée de l'impression 3D démocratique et beaucoup ont acheté des machines et ont proposé des choses. Alors, je crois qu'il faudra un peu de temps pour voir qui tient la route et que les meilleurs produits restent sur le marché. Et voilà, il y aura... C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Mais disons que l'arrivée de l'impression 3D, par exemple, de la découpe laser, a permis la fabrication d'objets qui étaient impossibles jusqu'à présent en toute petite série, impossibles à commercialiser, faute d'une demande suffisante. Avec l'impression 3D, on peut faire des toutes petites séries. Ouais. Donc, y a des choses qui deviennent viables en petite série commercialement. Donc, on peut se réjouir de cette souplesse. Et des modèles de train aussi, également. Bien sûr, oui. Je pense à Est Model, par exemple, qui fait des machines, des locomotives à vapeur, alors qui sont encore des kits, mais grâce à l'impression 3D, qui sont des kits beaucoup plus faciles à monter que ce qu'on a pu connaître dans les années passées. Ouais, j'ai vu dernièrement sur Instagram une personne qui allait chez HLN qui proposait un AGC quoi, magnifique, oui, par exemple, magnifique, tout simplement. Ça fait partie des choses qu'on va présenter dans le magazine, d'accord. Ok, parce qu'on suit ça avec attention, hein. Il y a des propositions très intéressantes et très novatrices quoi, que des grands fabricants peuvent pas tellement, n'ont pas la souplesse suffisante commercialement et dans leur structure de fonctionnement pour pouvoir proposer. Bon, et bien voilà, ce reportage avec Yann prend bientôt fin. Je vais te laisser ta petite minute à toi, c'est ta minute à toi libre d'expression, tu peux dire, et t'adresser à la communauté, aux personnes, au public que tu as aussi chaque mois, les lecteurs de Loco Revue, tu peux dire ce que tu as envie tout simplement. Écoutez, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous manifester, vous êtes peut-être dans votre coin, vous avez des questions, vous avez des suggestions, donc par le biais de Loïc ou directement par nos sites internet Loco Revue et LR Presse, faites-nous vos propositions, montrez-nous vos réalisations, sortez de l'ombre si vous êtes dans l'ombre, et puis on en sera ravis, puis ça permettra sans doute à d'autres personnes comme vous de se décider à franchir le pas et à se mettre... à pratiquer ce fabuleux loisir créatif qu'est le train miniature. Oui, il faut continuer. Et puis il y a la jeune pousse, regarde comme Thomas, comme on citait dernièrement, Thomas. Il y a la jeune pousse. Alors, je ne l'ai pas encore rencontré, Thomas, mais j'espère bien le rencontrer un jour. Oui, on a quelques auteurs qui ont 20 ans, 30 ans maxi, qui sont très prometteurs. Hein. Comme quoi, le train continue d'exercer une fascination et un attrait. Et c'est tant mieux. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. 2023 pour Yann, c'est quel salon ? Alors écoute, on sera présent à Chambéry, à Savoie Modélisme, je crois que j'ai pas l'agenda sous les yeux, mais je crois que c'est en octobre, oui, et bien sûr Rail Expo en fin d'année. Sinon, moi je vais faire un saut aussi à Gennevilliers, là, en fin avril. D'accord. Donc, je serai présent à Gennevilliers. D'accord, ok. Et tiens, une question un petit peu, moi comme ça, je te pose, qu'est-ce que tu penses des gros complexes tels que Mini World, Wonderland ? Ravi. Mini World, c'est fabuleux aussi. J'ai entendu des critiques de nos lecteurs les plus anciens parce qu'ils trouvent que la partie ferroviaire est quand même un peu légère. Mais il faut voir que c'est un parc grand public. Franchement, c'est un spectacle. Moi, j'ai eu le même plaisir qu'à Mini World que j'ai à voir rouler mes trains sur ma voie Trix. C'est sûr, c'est pas du modélisme ferroviaire pur et dur. Ça reproduit pas exactement la réalité. Mais alors, quel voyage. Ah, j'y suis resté 3 heures et puis. Voilà, j'ai pas vu les 3 heures passer, c'est génial quoi, Mini World. Miniature Wonderland à Hambourg, c'est la même chose. Je l'ai pas encore fait, mais c'est l'objectif de LF Mondialiste. Mini World cette année. Lyon, à Lyon ou à Toulon ? Les deux existent. Alors moi à Toulon, je connais les deux. Et puis à Toulon, je connais un petit peu plus parce que je connais bien Flo, que je salue, qui est responsable, donc maquettiste et tout, donc à Mini World Côte d'Azur à Toulon. Et on
parle souvent ensemble et je vois souvent quand il fait des réalisations de la manutention, le carrefour, le réglage, changer, remplacer des moteurs, etc. Et je trouve que c'est magnifique quand je vois la gare de Niceville. Moi, je suis de Nice oui. et le niveau de détail, c'est tout simplement fabuleux. Non, moi j'adore personnellement. Ah, oui, je suis fabuleux. Moi aussi, j'adore. Bon, et ben écoute, c'était un grand plaisir que de te recevoir sur ma chaîne. Et puis moi, je te dis à très bientôt. À bientôt. Et puis on se voit bientôt pour d'autres salons. Voilà, c'était donc le reportage, l'interview, la pause modéliste, comme j'appelle ça sur ma chaîne, avec Yann. C'était un petit moment ensemble, histoire de parler de notre passion. Un grand merci à toi d'être venu ici en gare de Dijon. Et puis on se voit bientôt. Et bien, avec plaisir. Allez, prenez plaisir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.